Alors, le casting des danseurs s'est fait sur 3 jours, dans une salle de danse à Paris. Et le choix a vraiment été très 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 difficile parce qu'il y avait plus de 300 personnes. There was about double than what there was last year. Le rôle de Gio, mon chorégraphe, n'a pas été facile. It was very challenging for the dancers and extremely challenging for me because there was so much talent and so many great dancers that came to audition. Here, and then here. Mark. Okay, it's for us so we can see. Quand je suis venue, je me suis rendu compte que Gio avait déjà présélectionné une centaine de danseurs. Je peux vous dire qu'ils étaient vraiment tous très très bons. Ils avaient pratiquement tous le niveau pour être pris. Ready, will you, after they dance? Can you let the music play? So me and Laurie, we can talk. Okay, it's cool. We had a hard time deciding. Muy difícil. And you never want to let the people go. You never want to cut them because they make it so far in the audition. But you know, we came up with our 10 dancers and we have a great, great crew. Here we go. Évidemment, bah, sur scène, c'est un groupe et c'est ce qu'on a essayé de former un groupe, une homogénéité et pas seulement des danseurs individuels. You try to look like 5 dancers look like 1. Parce qu'un concert, c'est ça, c'est la famille et sur scène, ça se ressent. So we need 5. Oh, I don't want to do this. Your final chance. Crunch time. Last chance. Je sais pas, parce que d'une, je suis arrivée en retard, je connais pas bien la Corée et ils sont tous super bons, donc je sais pas. Peut-être en tant que sosie, la chanteuse, pour la remplacer quand elle s'est cassée la jambe, je sais pas, peut-être. When I did the audition, that three of the dancers, 3 of the girls are from Spain and had no idea. One other dancer was from Canada. And that's Davey, as you know. And then we have Cisco from London. And then the rest of the dancers from Paris. So we have people representing from all over the world, so it's kind of cool. It just adds a lot of personality and a lot of different things to Lori's entourage, her tour. So it's great. Ceux qui ont été choisis, non. C'est eux, quoi.
on est le matin et on va aller répéter avec les danseurs, le chorégraphe, Gio et puis Marty. Et là, il y a Fred qui me fait des grimaces. Et puis voilà, donc on en a pour une bonne journée de répétition, de danse. Deux semaines de répétition que pour la danse. Et là, c'était du travail, du travail, du travail. The rehearsal process for a tour for me is it's a lot of work and there's many many songs to do. So, I asked Lori if we can bring my assistant over who's Marty Du, who's just a great talent as well, and creatively it helped me because when you put two minds together, you just sometimes get a better product. Je leur avais déjà envoyé les maquettes des chansons à Los Angeles, donc ils avaient pu commencer à travailler déjà là-bas. I just let the music kind of dictate what I do and tell me what to do. Ils sont arrivés, ils m'ont montré les chorégraphies, j'ai dit ça j'aime pas, ça je voudrais changer ce pas-là ou tout ça, et j'ai donné mes idées. I want stuff that's for her that's powerful, that's exciting, that she'll look strong on stage, like, you know, people will just be like, wow. Notre travail a été de nous apprendre, donc c'est 18 chorégraphies en deux semaines. To basically showcase Lori's talent in the best way that I can help her. So she does a great job at doing my style and Marty's style. Il y a des jours où on apprenait deux chorégraphies. Et ça, des fois, tout le monde se mélangeait les pieds, on savait plus quel pas était pour quelle chanson. Enfin bref, il a fallu travailler, puis voilà, on est arrivé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. How soon we forget our steps. C'est vraiment pendant ces deux semaines que le groupe s'est formé, qu'on a vraiment appris chacun. Enfin, c'était vraiment. On était vraiment devenu une famille à la fin. On était vraiment tous sous pression. C'est pour ça que des fois, la pression retombait et ça partait un petit peu en live. Il y avait des crises de fou rire, il y avait des grosses rigolades, comme il pouvait y avoir des pleurs aussi. 1, 2, 3, she'll pay attention to me. Ah, c'est moi? Oh, yeah. It's my part. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. You're gonna take up both hands. 5, 6, 7, 8. Take it back in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's such a big amount of work to do in such a short time that if you don't have fun, then it's gonna be even more difficult. Oh, I'm bad. I'm out of shape. I'm very out of shape. I'm trying. Oh, God. You must stretch to prevent injuries, especially Lori. She's stretching, you see? Stretch to... Stretch finger! Stretching the fingers. See, the dancers are stretching too. They're eating. They're stretching the arm. They stretch the arm to the mouth. Non, il ment. Moi, je dis tout de suite, il ment. You think dancers eat healthy? No way. Lots of candy, lots of junk food. In the bag, the snack, the potato chip. Ah. I love candy too. My assistant, choreographer Marty, healthy snacks, goldfish from America. This is his healthy snack. But he's doing push-ups though. Tous les danseurs, ils y ont vraiment été à fond. J'étais vraiment très très fière d'eux, très contente parce qu'ils ont fait un travail vraiment acharné. Et c'est des grands professionnels. Je voudrais remercier Gio et Marty
et leur dire un grand, grand, grand bravo parce que le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment formidable. I think that's a wrap for today. I think we're done. Try to sleep. À demain. Mes moments de complicité avec Laure, c'est tout simple. Ça se fait sur scène. C'est-à-dire que on a un échange, enfin moi je trouve très 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 profond, très complice et tout. Et j'aime bien lui donner cette partie de moi quand on est sur scène, lui faire des clins d'œil et tout. Et elle répond à chaque fois, donc ça me fait très plaisir. Et je crois qu'après cette expérience qu'on a eue, c'est-à-dire de développer notre complicité sur scène, je peux dire maintenant que ça apparaît en dehors de la scène, quoi. Donc pour Laure et moi, l'histoire, c'est la scène qui nous a un peu solidifiés. Je voulais vous raconter une petite histoire par rapport aux chorégraphies sur scène quand je fais les couples avec Laurie. Donc je voudrais me plaindre un petit peu auprès d'elle, et j'espère que ça va lui revenir aux oreilles, parce que quand je dois faire les couples avec elle, sur Ensorcelé, sur Un Air Latino, et en particulier sur les deux, c'est la même chose. Bon, j'essaye de faire mon maximum pour être sérieux, à fond dans le personnage, bien beau gosse, émotion, tout ça, et à chaque fois, elle, dès qu'elle a moyen, dès qu'elle a le dos tourné ou qu'elle est face à moi, elle est morte de rire, ou elle me tire la langue, ou elle me pince les fesses, ou et c'est pas possible, moi je peux pas faire mon travail correctement dans ces conditions. Donc je voulais me plaindre et lui dire qu'il fallait se mettre vraiment dans le jeu maintenant, parce que ça ne peut plus durer. Voilà. Donc la petite anecdote avec Laurie, c'est que c'est vrai, moi et mon frère, on aime bien user de notre jumélité avec toute l'équipe, donc on aime bien faire des blagues parce qu'en fait ils n'arrivent pas à nous reconnaître même si on ne se ressemble pas trop. Et c'est vrai qu'avec Laurie c'est un petit peu difficile parce qu'elle a tout de suite su nous distinguer. Donc en fait on a essayé de lui faire un petit coup, donc un jour on a échangé nos maillots dans la partie du break, c'est-à-dire qu'on a des maillots avec nominatif, donc avec mon nom derrière et avec son nom derrière, et on a échangé les maillots et... Donc là, elle s'est gourée, et d'autant plus que c'était devant 6000 personnes, donc ça nous a fait super rire. Je savais plus où elle en était, quoi.
Parce que je sais que vous connaissez la prochaine chanson par cœur. Et ce qui me ferait vraiment très 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 plaisir, c'est que vous la chantiez avec moi. J'ai pas de temps pour leurs amis.
chanson. Peut-être en faire une autre. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils connaissent les autres anciennes chansons. Je leur demande. Dites ! Où, il y a quelqu'un ? Vous connaissez les autres anciennes chansons ? Et si on les chante, vous allez chanter avec nous ? J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça, quand j'ai besoin d'amour, tous les moments love, moi je suis vraiment. Je suis comme ça, mon cœur est à la fête lorsque tu me prends dans.
de tempête. Je me sens qui passe. Aujourd'hui plus qu'hier, je tiens plus en place. Je veux ma vie qui pétille, je veux mon cœur qui bat. Je veux partir en vrille des millions de fois. Avaler des visages. Vous savez, quand je suis loin de quelqu'un que j'aime, et en tournée c'est souvent le cas,
il n'y a pas que lui. C'est en regardant un beau paysage que ça me réconforte. Applaudissent très fort Johnny Williams qui vient de nous rejoindre. Bon. Et si on chantait encore des anciennes chansons? Ça vous dit? Parce qu'en préparant la tournée, je me suis dit, bon, d'accord, il y a plein de nouvelles chansons. Mais celles que vous connaissez le mieux, c'est quand même les anciennes. Et si à un moment donné, j'avais envie que vous chantiez avec moi, fallait donc je les mette. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite sélection de mes préférés et de vos préférés. Comme ça, je sais que vous les connaissez par cœur et que vous allez chanter très très fort. Je sais, c'est tellement vite quand il n'est pas là. Je crois à vous.
Et je peux partir, là moi je sers à rien. Et vous connaissez toutes les paroles par cœur? Bon, on continue alors, hein. On continue? Y'a rien.
lendemain matin et on va aller répéter avec les danseurs, les chorégraphes, Gio et puis Marty. Et là, il y a Fred qui me fait des grimaces. Ouais, ouais. Et puis voilà, donc on en a pour une bonne journée de répétition dedans. Take it back in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Try. Yeah.
Ça va toujours? Vous avez vu, à un moment donné, dans les paroles d'à 20 ans, de toute façon, vous connaissez toutes les paroles par cœur, donc j'ai pas trop besoin de vous expliquer. À un moment donné, je vous parle d'une étoile qui est là-haut et qui me suit et qui me surveille. Bravo! Et j'aimerais bien vous la présenter, ma bonne étoile. Voici le titre de la prochaine chanson, Ma bonne étoile! Bye.
Et j'espère que vous allez faire un triomphe pour mes danseurs. Et nous vient du Canada, voici Debbie. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Des fois, quand je me promène dans la rue, je rencontre des petites madames avec des ventres bien arrondis. Oh, oh, non, non. Regardez pas le mien, ça n'a rien à voir. Non, parce que en une seconde, j'ai vu tous les regards qui faisaient « Wouh !» Non, non. Moi, c'est du chocolat. C'est bien aussi, vous savez, hein, ça... Et donc, vous connaissez tous mes secrets. Plus besoin de vous raconter. Bon. Et donc voilà, quand je croise ces petites madames, ça me fait tout plein d'émotions, tout plein de frissons. Et j'aimerais dire que la prochaine chanson,
est un hommage à la vie. Cette saison, j'ai l'impression, est favorable au ventre rond. Écoutez bien cette chanson, quelques couplets, une attention. Des envies, je voudrais juste dire merci. Voler, voler, les gens, les ventres ronds, ils sont touchants, ils sont si mignons. Voler, voler, les gens, les ventres ronds. Je les croise dans la rue, je les regarde l'œil attendri. Je leur souris, je suis émue, alourdi mais s'épanouie. Le poids de l'amour entre fraises et mal au cœur n'est jamais trop lourd, c'est juste un signe de bonheur. Voler, voler, les jolis ventres ronds, ils sont touchants, ils sont si mignons. Voler, voler, les jolis ventres ronds, ce soir je vous dédie cette chanson. Regard si pétillant, il est écrit si simplement que mettre au monde un enfant, c'est se sentir vivant. 9 mois d'attente pour voir de jour un appétit sucré salé, impatience compte à rebours, la vie entière pour s'aimer. Soit une fille ou un garçon, les cheveux bruns, les cheveux blonds, ce bébé sera un don, il reste le choix du prénom. Je suis trop jeune à présent, pas encore prête pour un enfant, alors je vis en attendant d'être à mon tour une maman.
voler, voler. Les gens lui ventreront. Ils sont tout chauds et ils sont si mignons. Voler, voler. Les gens lui ventreront. Ce soir, je vous dédie cette chanson. À destination du week-end tour sont priés de se présenter porte 22 pour un embarquement immédiat. Veuillez attacher vos ceintures et vous tenir prêts pour le décollage. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yeah.
Pour moi il est temps de
Merci beaucoup. Au-delà des frontières, au-delà des frontières, au-delà des frontières.
Ça va. Les musiciens sont partis répéter en studio pendant un peu plus d'un mois et demi pour pouvoir apprendre les partitions des nouvelles chansons et même même s'il y avait des anciennes chansons, les nouvelles versions. Bon, tant mieux. T'es passé par où, je t'ai pas vu? Bah, par la porte. Par la porte. Ça va? Ça va bien et toi? Merci pour ton petit mail. Bye. C'est cool, hein? Ouais, okay. Tu vois, c'est ça, bien, pom, 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 tu vas tomber dessus. Et après, je serai qui attaque direct, c'est-à-dire qu'ils font l'intro de guitare, tu sais, de guitare espagnole, comme ça on part directement sur le couplet. Tu sais, on va peut-être lui jouer une fois comme ça. Avec, ouais, on te le montre une fois. Pour que tu vois, on peut équiper Laurie, comme ça tu écoutes. Hé, hey, je vais avoir la même coiffure que toi. Tu vas avoir des dreads comme sur la pochette? Ouais. Des vrais dreadlocks? Non. Enfin, c'est des vrais avec des vrais cheveux, mais rajoutés à. Ouais, bah ouais. Ils ont commencé par répéter une quinzaine de jours tous ensemble et moi ensuite je suis arrivée pour pouvoir répéter donc les nouvelles chansons et aussi pour que je me familiarise avec les nouvelles versions des anciennes chansons. Parce qu'en fait pour la scène, les chansons live sont complètement différentes, enfin pas complètement mais sont assez différentes des chansons qu'il y a quand vous écoutez le CD. T'as pas trouvé d'instant. Thank you.